Salut, c'est Keliana et aujourd'hui on continue sur Assassin's Creed Odyssey. On va finir le jeu parce que la fin de la semaine il y a Metro qui arrive et Far Cry New Dawn. Ouais, les deux le même jour, c'est super. Donc on était à tuer ou ne pas tuer. Donc on avait fait l'audience avec les rois de Sparte. Et il faut retrouver Myrine et Brasidas. Ils sont là-bas. C'est là. Je serai contente de revoir Mère et Brasilas. Par contre, j'ai vu un chasseur de primes. Et comme je suis très recherchée dans cette région. Où est-ce qu'il est? Bon, tant pis. Qui es-tu? Moi? Personne. Mais toi, tu es encore plus divine que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La guerrière, il a dit. Cherche la puissante guerrière à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Oui, Brasidas s'y connaît en matière de guerrier. Les récits de mes âmes survivront aux statues. Bien sûr. On devrait chanter ton histoire du haut des montagnes. Tu es déjà une légende en Arcadia. Où est Brasidas? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme, tu veux lui parler aussi, non? Attends. Elle te ressemble. Dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Ah, lui aussi il veut plus d'argent. De l'eau, vite de l'eau! Oh, il triche. Allez, frappe. Je brûle. Allez. Aïe, oh. Mon histoire survivra aux statues. Qui dit ça? Dis-moi où ils sont, ou je me charge d'effacer ce sourire insolent de ta face de fouine. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère, et tu repartiras peut-être d'ici vivant. Tu es clémente. N'espère pas qu'Arcadia le sera envers toi. Parle! Tu les trouveras sur une colline, une falaise au-dessus de TGA. Tu as dit que Brasidas ne t'avait pas assez payé. Qui s'en est chargé? L'Arconte. Il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cet Arconte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos, et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia.
Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as de la chance. J'ai vu assez de sang comme ça. Oh. Mais tu vas en avoir beaucoup plus. Bienvenue en Arcadia, Cassandra. Qu'est-ce que je fais? Je le tue ou pas? Parce que... c'est un mercenaire. Tu es mal parti pour te faire un nom, toi. Voilà, ça c'est pour m'avoir mal parlé. Voilà. Je suis avec ta mère, retrouve-nous sur les hauteurs. Pas de... ok. Oh, une bague. Lettre de Razidas. Voilà. On y va. Je veux que l'Arconte meure. Les dieux soient loués, tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. J'ai tué le messager. Il t'avait trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrine m'a parlé savaient que tu viendrais et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. Il va être difficile de faire confiance à quiconque en Arcadia. C'est pourquoi la tête de l'Arconte doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Tâchons d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de têtes. Excellent. Nous devons régler ceci comme tu t'es occupé du maquignon à Corinthe. Je tâcherai de m'en souvenir. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte. Et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. Qu'est-ce que tu comptes faire, Brasidas? Contrairement à ta mère, je pense qu'on peut régler ça discrètement. Je vais aller examiner un lieu sûr, son refuge. J'y trouverai peut-être des preuves. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut envoyer l'Arconte chez Hadès. Des troubles dans le grenier à blé de Sparte mettront le faux roi en mauvaise posture. L'Arconte n'est plus l'homme que tu as connu. Le culte le tient, désormais. On dirait que je suis arrivé à temps? Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Alors, quel plan on choisit? Si on choisit celui de Brasidas, on y va discret. Et si on choisit celle de la Daronne, on va tout péter. On va essayer Brasidas. J'y a du bon, Brasidas. Merci. Content que tu l'approuves. Tu laisses le sentimentalisme obscurcir ton jugement. Le sort de milliers de Spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tegea lui sert de refuge.
Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue? L'Archonte est un lâche, il vit terré aux forces amicones. Tu ne risques pas de rater une telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Où se trouvent précisément les gardes de la Gausse? Certains sont dans une caserne de Tegea. Il y a aussi un camp et un fort dans la forêt des contrebandiers. Élimine les gardes qui s'y trouvent, cela réduira ses défenses. Dis-moi où je peux trouver les silos. L'Archonte conserve son grain au berceau de Pan. Mets le feu au silo et ses revenus partiront en fumée. Je vais aller voir ce que prépare la Gausse. Bonne chance, mon enfant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de feu et de grain. C'est personnel. C'est quoi ça? Ceinture du héros de guerre spartiate et un bout de machin. C'est lequel? C'est tout là-bas. Attendez. Petit coup de sauvegarde. Allez. Allez, on y va. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. Doit y avoir une pro... Te voilà. La Gausse vit toujours, alors. Où sommes-nous, au juste? La Gausse est un personnage public en Arcadia. C'est ici qu'il mène ses affaires privées. Rappelle-moi, pourquoi tu cherches à sauver l'homme qui veut nous tuer, ma mère et moi? Je connais la Gausse depuis longtemps. Il nous a envoyé des vivres lorsque mes soldats mouraient de faim. J'ai du mal à croire qu'il ait pu renier ainsi son honneur. Et qu'est-ce que tu cherches? Si nous parvenons à trouver qui manipule la Gausse, nous n'aurons pas à verser le sang. Je croyais que les Spartiates en buvaient dès le matin. J'en ai vu couler beaucoup trop. Mais je garde espoir. Tu te ramollis, Brasidas. Quand Léonidas est mort aux Thermopyles, nous nous sommes tous unis contre un ennemi commun. Athéniens et Spartiates ont lutté côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un.
Est-ce qu'on t'a suivi? Non. Bien. Tu as la lettre de Lagos? Je l'ai, oui. Notre tâche est de livrer ceci à l'arbre brûlé, près d'un champ doré. Quelqu'un nous y retrouvera et l'apportera au repère. Une lettre de Lagos. J'y trouverai peut-être les réponses que je cherche. Je vais les suivre. Continue à fouiller la maison. Alors, il faut libérer la prisonnière. Attends. Hop. 1, 2, 3. Quoi, c'est tout? Voilà. Hop. Oui, magnifique. Ah. On est ici avec la famille de Lagos. J'ai cru qu'on allait nous tuer. Où sont-ils ? Sous terre, avec de nombreux gardes. Tu vas aller dire à mon ami Brasidas que je les ai trouvés. Ils devraient être dans une vieille ferme au nord-est de Tegea. Compte sur moi. Merci au dieu de nous avoir sauvés. Le mec est en train de gueuler derrière. Et là, il y en a un autre. Ça me cache pas.
Une ferme abandonnée, des adeptes. Le repère doit être tout près. Bon, on va faire comme d'habitude. Bonjour. Voilà, ça marche très bien comme ça. Voilà. Lui, il a rien. Est-ce que j'ai raté un truc? Bah, le trou, il était là, c'est sûr. Je me demande ce qu'il y a là. Sans gluten. Si, quoi que je l'ai pas vu. Oh putain.
Je crois que j'ai entendu des voix là-haut, mais je suis pas sûre. Il y a un passage. C'est pas là-haut, j'ai entendu des voix, c'est lui. Sandra, c'est Brasidas qui m'envoie. On va rentrer chez nous? Je n'en sais rien. Cela fait des jours que nous sommes dans cette grotte malsaine, sans nouvelles de Lagos. Vous êtes libre, mais ce serait dangereux de retourner voir Lagos. Les méchants sont toujours avec Père. Tu as entendu parler du culte de Cosmos? Des rumeurs. Depuis que mon mari a de nouveaux partenaires commerciaux, il y a des gardes autour de notre maison. D'après lui, pour notre sécurité. Mais un jour, ces mêmes gardes nous entraînaient ici. Ils obligent ton père à faire ce dont il n'a pas envie. Je vais trouver Lagos et le libérer de ces... méchants. Et nous? Je ne peux pas retourner voir ce misérable. Et maintenant que ces gardes sont morts, on est en danger. Pour l'instant, allez voir mon ami Brasidas. Vous le trouverez au refuge, au nord-est de Tegea. Là où Lagos tient ses réunions secrètes. Tu es en colère, mère? Je te remercie de nous avoir sauvés. Nous irons voir Brasidas. Kéré. Bon, allons nous occuper de ces méchants. Aïe! Ça brûle! Voilà. Alors... Sauvegarde. Allez, parti.
Bonjour. Excusez-moi, je vais passer. Voilà qui est fait. Sans grain, la Gauss ne pourra plus nourrir ses troupes, ni en engager. J'ai rien fait, j'ai atterri dans le camp de la Gauss. Attendez. Ah, c'est parce que j'ai déjà... voilà. J'avais déjà vidé le camp, c'est pour ça. C'est fait. Allez, on continue. Oui, magnifique technique d'Assassin's Creed d'origine, où tu restes sur ta monture et tu butes tout ce qui passe. Trouver l'archonte. Alors, voilà.
Moi, je pense que c'est bon. Alors, attendez. Pour atteindre ça, il faudrait que le mieux... On va y aller en ligne droite, comme d'habitude. Voilà. Attends-moi, là. Non, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Ouais, c'est ça, va jeter un coup d'œil. Il y en a un juste là. Coucou, Spanier. Lui, il est en train de s'énerver, mais c'est pas grave. Merde. Merde. Voilà. On va piéger ça. Voilà.
Moi aussi, je vais le faire, ça. Hop là. Alors... Attendez, parce qu'il y a des coffres. Putain, il y a un connard qui arrive. Eh, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, cassez-vous. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Ça y est, vous avez fini? Thank you.
On va d'abord s'occuper de lui. Voilà. On va récupérer ça. Voilà. Il me manque un coffre qui est là-bas. Voilà. Je m'attendais à te voir, tôt ou tard. Comment l'as-tu deviné ? Tu as tué mes soldats, mais tu as aidé ma famille quand j'en ai été incapable. Nous sommes séparés, mais je sais qu'ils vont bien, grâce à toi. C'était la seule chose à faire. Le monde est plongé dans le chaos. Ça, c'est l'œuvre du culte. C'est une époque de division. Sparte contre Athènes, l'ancien contre le nouveau. Et tu ne crois pas que le culte attise les flammes dans les deux camps ? Je sais de quoi il est capable, ce qu'il entend mettre en place. Ce que je veux, c'est le bonheur d'Arcadia. Je tiendrai compte de tes paroles. Il n'est pas trop tard. Quitte le culte de Cosmos et rejoins Brasidas. Tu me vois aujourd'hui comme un allié. Comment peux-tu être sûr que Brasidas et toi ne changeraient pas d'avis ? On peut affronter ensemble notre ennemi commun. Tu mérites mieux que de vivre sous l'emprise du culte. Tu ressembles à Brasidas quand il avait ton âge. C'est une source d'espoir. Le culte m'a remis ceci, en témoignage de mon allégeance. Tu pourras peut-être l'utiliser contre lui. Je suis sûr que ça me sera utile. Je vais lever la prime sur Myrine et sur toi. Puissiez-vous réussir à triompher de ce mal. Archonte, ma mère et moi te remercions. Tu as sauvé ma famille du culte, seul. Tu as du courage. Pourquoi ? Cela te vaudra la colère d'un roi. Pausanias a menacé de torturer et de tuer les miens si je le trahissais. Pausanias ? Tu as des preuves ? Tiens. Ceci témoigne de sa traîtrise. Merci. Je vais m'occuper de ce roi du mensonge. Arès m'a choisi pour mener les Spartiates à la gloire. Il ne peut y en avoir qu'un. Qu'est-ce qu'il a, Pausanias ? Une épée légendaire ? Ouais, donc c'est lui. Après, il m'en manquera plus qu'un.
La prime a été levée. Et Lagos est vivant. Tu vois? Je savais qu'on pouvait éviter la violence. Cet adepte méritait de mourir. Lagos était une victime du culte. Il ne mérite pas la mort. Le culte de Cosmos dévorerait ses enfants si cela pouvait servir ses fins. Pas Lagos. Le roi Pausanias lui forçait la main. Il était prêt à égorger la famille de Lagos. Et j'en ai la preuve. Le roi Pausanias ? Nous devons rentrer à Sparte pour le démasquer. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous pouvions. Il est temps d'aller à Sparte. Oui. Il est temps de rentrer. Très bien. Je vais devoir te laisser, Cassandra. Je n'oublierai pas de sitôt tes exploits. Myrine, j'ai pris plaisir à te revoir. Nous avons eu des différends, mais j'espère que tu retrouveras bientôt ton foyer. Arcadia ne craint plus rien désormais. Et la prime a été levée. Nous pouvons voyager sans trembler. Alors, on reprend la route. Nouvelle gravure disponible. Bon, on va stepper jusqu'à Sparte. C'est où? C'est là. On va mettre un petit peu de jour. Voilà. Garde. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre? De toute façon, je sauvegardais, donc. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. Qui sont les efforts? Tu ne te souviens pas? C'est vrai, tu n'étais qu'une enfant.
Les cinq Éphores sont élus par les citoyens spartiates. Leur pouvoir s'étend même au roi. Si tu veux libérer Sparte du contrôle exercé par le culte, tu vas devoir les convaincre. Il va falloir faire des efforts. D'accord, je te retrouve. Pourquoi ce retard ? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testiclès, notre champion de Pancrace ? Il a eu un accident marin avant d'avoir pu concourir. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béotie ? Stentor et moi avons défait les forces athéniennes. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. J'ai parcouru les terres de Sparte et même au-delà. Et j'ai pu prouver la trahison de Pausanias. C'est un adepte du culte de Cosmos. Ses scélérats sont prêts à tuer par centaines pour régner sur le monde grec. Ces preuves devraient suffire. Des preuves ? Quelles preuves ? Ainsi dont les rumeurs étaient vraies. Nous n'aurions jamais pensé qu'un roi puisse manquer autant d'honneur. L'honneur fait partie du passé. Pour tes crimes. Comment oses-tu menacer un roi ? Pausanias, ton titre de roi t'est retiré. À compter de ce jour, tu es banni de Sparte. Je jure devant Athéna et Arès que vous le regretterez. La justice triomphera ! Oh, justice sera faite, roi fantoche. Pardonne-nous, mon roi. Ma fille ne pouvait le laisser occuper plus longtemps, ce trône. Naturellement. Vous avez largement mérité de recouvrer votre statut. Sparte vous offre sa gratitude et vous restitue votre maison. Tu récupères ta demeure. Notre maison. Laissons la cour mener ses affaires. Retrouve-moi à l'extérieur. Il serait sage de s'occuper de Pausanias le plus tôt possible. Je le ferai. C'est un adepte, après tout. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Le roi Pausanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Alors, faut qu'on trouve Pausanias. Pas manœuvrés par les Athéniens comme Léonidas par les Perses. Voilà Pausanias, Malaka. Aïe 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 aïe.
Ah mais il fait mal. Eh oh, se calme hein. Il n'est plus là. Quoi donc ? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris ? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos ? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos ? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener ? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je vais le ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Cassandra. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Il a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire. Ramène ton frère ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller, Brasidas m'attend. Sois prudente, Cassandra. Αδέλφου σου ήσουν χαιρετίζει μάλλον. Είσαι αυτό που σου είναι, μεταφράζεται. Ο περίπτωτος...